Ok. Aujourd'hui, nous recevons Maurice Campton, que d'autres pourraient appeler le professeur Campton, le président Campton, le père Campton, le frère Campton. Mais ce n'est rien de tel. Nous recevons un créateur et un producteur d'idées. Je crois que cela est extrêmement important pour nous de souligner. Et c'est sans doute ce qui restera. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est ce qui restera. C'est la seule chose qui restera. Nous n'y serons plus. Mongo Betty nous a appris au-delà de nos chapelles, nous devons surtout partager des idées et prendre le temps de nous écouter, d'échanger des idées, de partager la production intellectuelle. Car c'est la seule chose qui restera. Je vais m'arrêter là. La parole à Quanta. Merci d'être venu. Sur le Cameroun de Mongo-Betty. Depuis que nous sommes arrivés ici, lui dit qu'il se sent moins seul. Le livre, je veux dire, parce que depuis l'entrée de son ensemble des étoiles, il a senti les vibrations du poème Exécution, qui raconte l'exécution d'Ernest Pointy que vous avez vu enfant à Bafoussa. Comme le livre Même pas sur le Cameroun raconte le procès Ernest Pointier, monseigneur Mongo, alors il est moins seul depuis que ce recueil de poèmes est arrivé. Et là, Ras me dit qu'il faut que j'arrête avec mon blablabla, que les bonnes choses peuvent commencer. L'urgence de la pensée, nouvelle édition, préface. Comme les hommes, chaque livre a son destin propre. Ce petit livre a fait son chemin dans la discrétion d'une œuvre sans prétention, mais qui a eu l'heure d'arriver à son heure, peut-être. L'accueil que lui a réservé le public depuis sa parution, il y a plus d'un quart de siècle, est flatteur et justifie la présente réédition au moment où il est introuvable, en dépit de nombreux tirages pirates dans la plus totale anarchie. Le prétexte est inespéré pour faire des précisions sur quelques points. L'urgence de la pensée, où et pourquoi pas l'urgence de penser, sans doute plus correcte selon la syntaxe ordinaire. L'urgence de la pensée, parce qu'il s'agit d'une invite à l'acte de penser et une référence au produit de cet acte. L'urgence de penser invite uniquement à l'acte,
sans apparemment se préoccuper du résultat de l'acte. On peut penser à vide, sans aboutir à quoi que ce soit, mais penser quand même en une manière d'acte gratuit, d'exercice spéculatif pur. Or, je propose que l'on se livre à un exercice de raisonnement productif sur notre condition en démocratie et sur les conditions de la démocratie en rapport avec le progrès économique, social, culturel, intellectuel même. Donc, que l'on réalise l'acte de pensée pour produire de la pensée, et pas seulement de bruit intellectuel. Le choix téléologique du substantif « penser » et non pas du verbe « penser » indique une finalité qui ne peut être atteinte que par un cheminement qu'exprime le verbe. Acte et produit de l'acte, cheminement et finalité, telle se présente la pensée, expression d'un duo inextricable en une manière de deux d'ampleur. Quant à l'urgence, elle n'est guère conjoncturelle. Si elle se faisait sentir avec une particulière acuité au moment où l'ouvrage fut écrit, on peut bien voir qu'elle est permanente. Le sous-titre du livre suggère que l'on tient la pensée pour une précondition du développement en affaires. J'ai voulu me livrer à ce qui était et demeure au centre de ma réflexion, le développement de l'homme dans la liberté et la responsabilité, sinon j'eus pu, dans une perspective plus ambitieuse, de précondition du succès, j'eus pu parler dans une perspective plus ambitieuse de précondition du succès de toute entreprise humaine ou de toute action efficiente. Car un des éléments de différenciation entre l'action des peuples qui font des progrès remarquables et ceux qui sont à la traîne est la conception de l'action comme la réalisation structurelle d'une pensée qui anticipe les fins de l'action. L'action est pour ainsi dire la réalisation en 3D d'une idée développée. La pensée sauve des tâtonnements coûteux. Menée dans une perspective stratégique, elle permet d'anticiper les obstacles en fonction des acteurs et des intérêts en présence et de la sorte de s'assurer la victoire dans un univers de compétition. La pensée cognitive, appréhensive, est rupture avec l'irrationalité exubérante qui fleurit dans le champ discursif public en Afrique aujourd'hui. Bien qu'un tel discours demeure relativement marginal, il a incontestablement un certain pouvoir d'attraction, en particulier sur la jeunesse qui, bien souvent, est dépourvue du viatique indispensable à l'aiguisement de la capacité critique. Faire acte de pensée exige une certaine assaise, à tout le moins une culture minimale qui passe par la fréquentation assidue et sérieuse de ceux qui constituent des repères sur le chemin. Il y faut consacrer du temps et un apprentissage, si possible encadré, de la construction d'un raisonnement démonstratif. En effet, penser n'est pas construire abstraitement des systèmes décousus qui permettent de triompher sans peine d'une articulation intellectuelle portant sur une question voisine mais distincte. Une telle façon de procéder abuse des analogies mais ne démontre pas la cause efficiente des événements. Son ressort essentiel est la vraisemblance, une idée que l'on anime en y projetant ses flammes et ses démences et qui devient croyance, comme l'a écrit Cioran. D'aucuns ont pu voir dans cette réflexion
un discours apologétique sur la pensée énoncée en répudiation de l'action. Cette vue rapide repose sur un manichéisme de mauvais aloi, là où notre propos vise simplement à établir le besoin de l'une par l'autre et peut-être vice-versa. L'opposition pensée-action est une spéciosité qui ne peut conduire qu'à une aporie. En amont de toute action, il y a une pensée ou une prétention de pensée. Elle peut être indigente, rudimentaire, irrationnelle, mais elle existe, fût-ce in status nascendi. Ce que cet essai a voulu mettre en évidence, c'est la nécessité pour les habitants de ces lieux constitutifs de ce qu'on appelle Afrique d'ouvrir par eux-mêmes un corpus de propositions réflexives, d'énoncés normatifs ou performatifs formulés à partir d'un raisonnement intellectuel leur permettant de procéder à l'énonciation de soi, l'appréhension de leur environnement, la construction de leurs espaces de liberté, à leur insertion dans le globalisme compétitif. La pensée comme dimension de la praxis ne peut se borner à une métaphysique des êtres, voire des choses. L'emprise de la pensée sur les choses et les événements est bien plus déterminante qu'on l'imagine de prime abord. Si le choix se conçoit comme une négation du rôle ou de l'utilité de la pensée, il est à la fois un mensonge et une fuite en avant. Mensonge parce que le choix lui-même est dans ce cas l'expression d'une pensée qui préfère agir sous l'empire du désordre ou à tout le moins avec un risque élevé que sa propre action échappe à soi. Fuite en avant parce qu'une telle action consacre son échec avant même d'être agi. L'essai s'est émancipé de sa date de naissance et poursuit sa vie à travers la permanence du besoin vital de ce produit de l'esprit humain qui oriente ses choix et guide durablement ses actions, la pensée. Maurice Kamto. Territoires insoumis, extrait. Vivre. Pince-moi quand je ris de mon rire jaune, à l'éclat de charbon de mes dents entartrées. Était-ce donc ce mirage qu'annonçait le jeune premier, sanglé dans un costume festonné d'espérance? Il n'a guère survécu au premier hivernage. Pince-moi quand je marche, somnambule vers l'inconnu de nulle part. Les entrailles de la terre crachent les minerais, palmerais, bananerais verdis de nos mains calleuses, comme aux jours grincheux de la servitude. Pince-moi quand je danse, vacillant au pas douteux des ombres qui singent les vivants, message de luxure, des déhanchements saccadés aux pas endiablés qui vrillent et s'envolent, profusion d'odontoles. Pince-moi quand je pleure pour que je me rappelle que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini, que l'on meurt de n'avoir rien fait et que l'on vit d'avoir osé. Le creux de la nuit. Je découvrais l'intimité d'une nuit belliqueuse, zébrée de fureur. Les destins contraires se répondaient aux deux bouts de cette ville transie d'angoisse
nerveusement silencieuse. Et la sirène dispersait de sa voix lugubre les potaches dessouchées par la peur. Il s'échappait par tous les orifices des chaumières lépreuses aux murs lézardés de misère. Et la sirène hurlait encore le péril des feux de haine. Et le désir de l'aube gonflait les estomacs mous. Ton ombre, ô l'aïeul, se dressait à pique face au péril, bouclier dérisoire contre l'irrésistible, qui traçait le ciel de son regard de foudre. Et la sirène hurlait plus fort, de toute la puissance de ses poumons inoxydables, la fin des jours d'avant, l'inclémence des ambitions et la tristesse de l'indépendance. Ton ombre totémique s'érigeait au milieu de la cour, pour conjurer la tragédie qui se nouait aux quatre coins du vent. En eau frémissait l'avenir, fragile foetus chahuté par les champs de guerre qui trouaient une nuit vampirique. Nuit syncopée de caquettements de fusils qui mitraillaient les temples, et la sirène hurlait la mort des morts sans nom, sans nombre. Cette ville, cette nuit, ces enfants allongés dans les flammes et qui ne se réveillaient pas au réveil. Temps d'orage. Un nouvel orage déchire le ciel et le son du cor appelle encore nos corps en jachère, sevrés des transports. Nos rêves hirsutes, striés des râles gercés de fureur, oubliés les courbes insolentes des croupes qui dandinent, les saillies orgueilleuses des poitrines conquérantes, les chavirements langoureux des yeux qui se brident. Le répit fait son nid dans l'éternel repos, coup de sang, champ de ruines, s'ouvre payant les abîmes aux âmes raidies de peur abyssale. Élève mon courage à hauteur du martyrologe, au confluent de la panade et de la déchéance, où la vie n'est plus qu'un théâtre d'ombre. Tu l'en sais et je le sais, la mort n'est un problème que pour les vivants. Qui chante le requiem alors qu'encore mugissent les ruisseaux, alors qu'encore fleurissent les baobabs? Nous irons aux enfers tirer de ses entrailles l'arme secrète qui fait fondre les rocailles. Dans l'univers constellé de l'espace sidéral, nous arracherons le soleil à son sommeil stellaire. Le passé fut le leur, à nous est l'avenir. L'espérance s'est levée, ardente et orgueilleuse, sur la crête des vagues. Elle réenchante notre demain et dévoile aux victimes de l'histoire le blason constellé du destin de gloire. Accotement extrait. Arrachement. Crève-cœur mon pays, ghetto, et c'est haut le cœur qui crève l'espérance. Comment s'échapper du township du monde, s'arracher à la glu, au lest qui tire vers le fond de l'abîme, s'incarner dans le vent, voilà. Et mon esprit s'envole au-dessus de la plaine de nos destinées communes. Tam-tam grave qui roule sa peine au fond de la Seine, sonce des funérailles pour nos morts exaltés et nos morts inconnus. Tant de vie gaspillée, tous ces morts oubliés, ils hantent le château, questionnent nos silences, fustigent nos patiences. Tam-tam funèbre, funeste, qui gronde sa rage, tam-tam hurlant, qui lâche ses paroles comme une averse de coups, tam-tam de guerre disant la mort, qui met le feu à la plaine, pour que les morts s'ajoutent aux morts, jusqu'à ce que pour tous vienne la mort. Nos morts,
de haine mort, de fainéantise mort, de convoitise mort, arbre desséché qui n'offre pas d'ombrage. J'essuie vos crachats sur le sourire du mendiant, sur la tendresse de la lune, je les essuie sur nos bras ouverts à la miséricorde. Que ces bras aimants innervent de vie la généalogie des enfants de la patrie. Tout en cette terre raconte un pays singulier, terre terreau des prodiges, qui répudie les défaites à notre histoire percalisée. Et je vois ton corps, ô terre fantastique, bourgeonnant d'ambitions neuves, sous les lumières neuves de la Renaissance, la pointe de l'espérance a déchiré les plumes qui voilaient l'avenir. Vient la vaste clarté sur la défaite de la nuit et nos échines indociles qui se dressent et nos paroles rebelles qui tonitruent et nos pas de plomb ailés par le vent de la liberté. Je sens monter une sève nouvelle dans les veines de cette terre. Je vois déborder la crue de la rivière artésienne jusqu'aux hautes terres. Elle va étancher les soifs inassouvis et sur l'humus renouvelé par la jachère faire pousser la promesse de nos rêves ténaces. Au loin gisent les terres neuves qui attendent, terre de nos ambitions épanouies où l'abondance prend racine dans le terreau des épreuves. Qui prend la mer prend rendez-vous avec le tourment des tempêtes. Bah, ferme ton navire, peuple mien qui accepte les défis d'un monde vertigineux. J'interroge les chaînes oubliées et j'entends un blues sans larmes qui fait chavirer le monde. Je remonte le chemin perdu et je vois une volée d'étoiles au-dessus de Tombouctou. Je fouille les secrets enfouis et j'exhume les trésors de Luxor et de Lalibela. Je contemple l'avenir, il me tend les bras de la menthe au retour de l'aimé. Oh, puissance coalisée de nos terres des contrastes, je vous confie les rêves que nous pouvions rêver dans la nuit torturée de nos malheurs répétés, accueillis en héritage. J'ignore pourquoi, mais mes bras ouverts ne se fatiguent pas. Et qu'importe que la haine me mange à toutes les sauces, à tous les banquets, à tous les discours, mes bras ouverts ne se fatiguent pas. Ils attrapent le vent quand même ils tourbillonnent. Ils enlacent l'ignorance quand même elle méprise. Mes mains chargées d'ardeur pour pétrir ce peuple qui m'aspire et me consigne. Mes mains candides qui s'expriment dans la force de l'étreinte. Mes mains ouvertes d'où s'échappent les colombes aux quatre coins de la patrie. Mes mains soupirantes d'aise qui croisent dans l'enlacement de tous en un fagot unique d'où nul ne sera plus jamais soutiré. Sur chaque acre de cette terre, je plante une tige de fleurant. Qu'elle apaise de sa verdeur les durs temps de disette de la fraternité oubliée. Qu'elle s'enracine, se densifie pour devenir forêt sacrée où se scelle le pacte de nos corps s'accorder. Chacun peut voir que le sol sous nos pieds se dérobe. Que chacun comparaisse à la barre de sa conscience, sans masque qui rien ne masque et qui ne sauvera guère. Ô silhouette informe, tremblant dans la brume d'une terre qui gémit, j'ai tant attendu, tu t'es attendu toute la nuit, tout le jour, ma porte est ouverte. J'ai cru que tu verrais ma flamme sous le manteau que je fais. J'ai voulu mes pas au rythme de tes pas au rythme de mes pas, dans le sens de notre marche commune. Ni Dieu, ni Messie, mais j'ai essayé vraiment. Maintenant que les digues rompues libèrent toutes nos forces, enjamber l'histoire pour être au rendez-vous de l'aube. Par ténogénèse des étoiles dans nos têtes libérées, prolifération des langues de feu au creux de nos mains, ciel joyeux de nos prières, ciel outre-mer de victoire hilar, qui se souvient du dernier soir, dans un douala incandescent de lumière jaune, porté par la jeunesse de mon pays.
Elle ne revendique ni sceptre ni couronne, mais un pas gigantesque au-dessus de l'abîme des années de ruines. Elle revendique une place, sa place dans le monde mondialisé, une égale fulgurance dans l'esprit de conquête. Ô terre du premier cri de l'homme, quittez les trottoirs du monde pour revêtir la dignité des Amazones de Matamba, sortir de la poubelle des siècles. Quittez les accotements du monde pour se mêler à la marche conquérante des territoires nouveaux de la connaissance. Vaincre la folie d'un moi mortifère. Quittez les travées de l'arène pour affronter les défis informes des temps à venir. Toi, mon pays, berger qui ne marche pas à l'avant de son troupeau, terre fragmentée où on ne sait pas faire fou, je pleure tes peurs, je pleure tes silences, je pleure tes torpeurs, je pleure tes indolences. Et cependant pour toi, je convoite les rayons du jour. Je lis dans la jeunesse du monde qui palpite en toi la promesse primordiale de ton avènement. Que ma bouche l'annonçant ne bruisse pas de vanité parmi les nations. Montrez-vous aux gens de ma terre, ô clé du savoir qui réinvente le monde. Montrez-vous aux gens de ma terre, ô secret des signes qui codent l'univers. Les vieilles lunes sont tenaces, mais les temps sont à maturité. Dans les ateliers du monde, on réinvente l'espèce. L'homme fera-t-il mieux que la nature en abolissant les couleurs races? Debout, ô jeunesse d'une terre en demande, et répands ton amour sur son corps des souffrances. Debout, ô jeunesse d'une terre en attente, et hisse l'oriflamme sur sa plus haute éminence. Plus rien ne brille de l'évent, plus rien ne doit voler tes rêves. Va, force vitale de ma terre, victorieuse de nos misères, va poser un baiser sur le sein du monde qui attend. Que les siècles se souviennent de ce temps où la volonté en acte aura changé notre destin. La cendre les étoiles, extrait. Pétales de l'aube. C'était au temps des effervescences, quand du ciel pleuvaient les flammes et que l'audace trompait la peur, des cœurs rompaient des digues et l'aurore broyait le soleil. C'était au temps de l'inconscience. Des vents poussaient nos pas vers les terres de la discorde et nous en revenions insouciants. C'était au temps de l'adolescence, quand on voulait presto devenir grand, porter afro et rock-pants à fleurs de nombril en s'attirant des regards un brin boutonneux. C'était au temps de l'innocence. Le vent dévoilait la fraîcheur des roses, à l'envol des fichus et des mini-jupes, de grands yeux s'emplissaient d'étoiles. C'était au temps d'enfance où l'on faisait de la fièvre pour manger un peu de riz, ce temps où l'on court les bras dans le vent, ivresse d'un pétale au cœur du tourbillon. Comme des mâchoires qui en serrent. Il a plu dans nos cœurs tant de peine, qu'un hivernage de grâce ne les peut apaiser.
Il a germé dans nos cœurs tant de haine, qu'un océan de bonté ne la peut nettoyer. Lambeaux de rêve de notre histoire étoilée, les rappels en deuil les souvenirs, agonie de la nuit à l'aurore, un genou par terre, nous attendons. Et pour finir, un plus que songe pour te dire je t'aime. Tout est venu d'un songe tel une aurore boréale. Mes pensées larmoyaient sur un quai. J'ai vu ton carrosse s'enfoncer dans la forêt et le vide alentour était l'oubli de mon amour. Comme le parfum d'un dimanche de soleil au sortir de l'église, la tentation guettait sur les hanches des jeunes filles prudes et nous accueillait le fumet des plats de foufou à la sauce gombo. Ce matin, ton pagne au vert et or du couchant, noué à ta taille opulente, dis que tu seras la plus belle des mères à l'assemblée des femmes. Mes colliques me rappellent que je ne t'ai pas dit je t'aime. Comme mes lèvres accouchées au lait de ta tendresse, quand dans mes veines la fièvre attisait ses braises, tandis que le miel voulait onctueux de mes souvenirs, la saveur du soir me rappelle que je ne t'ai pas dit je t'aime. Comme le faisait ma bouche à ton sein appliqué, telle une ventouse. Quand tu revenais des champs, s'égayait la demeure affligée par ton absence. Accouraient ta maisonnée, les voisins et quelques nicots aussi pour rattraper les repas de 7 jours de disette. Et la mélopée des bambins formant la ronde d'une danse, je t'avais alerté sur les périls de mon audace, armé pour combattre cette terre métissée de douleurs et de rires qui déchirent l'air amer. Mère, voici ton fils sur les chemins rocailleux de la chute. Mes dents de bonheur ont été assombries. Un rayon de ton sourire me ranime au cœur de la tourmente. Chante-moi encore une berceuse sur mes insomnies. Alors que tu t'en allais, voici que ton esprit déchirait le ciel de la maison comme en son milieu le rideau du temple. Captif de la routine des jours, je n'ai su déchiffrer les signes, ni les trompes d'eau au cœur de la saison sèche, ni tes paroles murmurées au creux de mon oreille. Mère, chante-moi l'arc-en-ciel du retour des combats, la sarabande qui emplit les cœurs céruléens des jours de victoire. Maurice Campo. Mesdames et messieurs, nous avions à vous présenter en début de ce moment les 5 dernières publications de Maurice Campo. Rast et moi avons lu L'urgence de la pensée, avons lu Territoire insoumis, Appotement, Sous la cendre les étoiles, mais je vous avoue que traiter de voix constitutionnelle nous a un tout petit peu intimidés. C'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas lu d'extrait. D'abord par le volume, 1 millier de pages, le temps mis à l'écrire, 20 années. Ma première question à vous, mon président, c'est de savoir pourquoi ce traité de voix constitutionnelle
et en quoi il est utile à Ras et moi de faire des efforts pour le lier du sport. Merci. Merci beaucoup. J'ai le privilège cet après-midi d'être introduit par un des écrivains, homme de lettres, plus précisément un dramaturge et poète, qui, peut-être parce que nous n'avons pas développé dans notre pays des espaces culturels et d'échanges entre les hommes de culture, n'est pas forcément très connu du grand public. Cependant que il est une notoriété à l'extérieur du Cameroun, je vais parler du poète M. Kwame Tawa, ici présent. J'ai rarement vu un homme de lettres aussi généreux, qui en plus de sa propre production, fait un point d'honneur à promouvoir les œuvres d'autres écrivains. C'est assez rare sous nos latitudes pour que nous le soulignions. Merci encore pour tout ce que tu fais. Je remercie son complice Ras, que je découvre pour la première fois, et qui a su agrémenter la lecture des textes que nous avons entendus d'une musique tout à fait appropriée, tout à fait accordée. Ce n'est pas de l'improvisation, même si ça en a l'air. Je voudrais le remercier, Chalou. Je suis ici et le professeur Ambroise Combe, qui nous y accueille dans un lieu mythique, la bibliothèque des peuples noirs. C'est un lieu habité. Il est habité par l'esprit de son fondateur, de son créateur, l'immense Mongo Betty. C'est un espace particulier parce que j'y retrouve avec une certaine émotion le portrait du professeur Ebusi Boulaga, qui est aussi, de ce point de vue, parmi les précurseurs et ceux qui ont tracé la voie, le chemin pour la réflexion, la pensée, la réflexion philosophique, qui n'est pas le monopole des philosophes diplômés. La pensée philosophique est d'abord la capacité à produire son propre raisonnement, sa propre réflexion sur l'être, la vie, le destin, si on, que ce soit sur les aspects physiques ou métaphysiques de ce que nous sommes. Bien sûr, avec une certaine discipline, c'est pour cela qu'il faut apprendre. Bien sûr, avec le maniement approprié des concepts appropriés. Il ne s'agit pas de parler en désordre et de se prétendre philosophe. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu cette prétention parce que c'est une discipline bien trop difficile et bien trop rigoureuse pour qu'on s'y hasarde sans y consacrer le temps nécessaire. Mais il m'arrive trop souvent, très souvent, peut-être même trop souvent, de fréquenter des philosophes. Alors, au passage, on peut là et ça et là glaner quelques réflexions qui alimentent votre propre pensée. Je ne peux répondre à la question qui m'a été posée sans dire que la poésie, par contre, me taquine depuis très longtemps. Je n'ai pas dit que je taquine la poésie, mais c'est elle. Et je ne vais pas faire un retour en arrière, il me suffit de dire ici que ma prétention littéraire n'a jamais affleuré à mon esprit. Je pense que c'est simplement le hasard des circonstances et des rencontres comme le poète Kwame Tawa et mes excellents éditeurs et surtout l'immense Nimrod qui est, j'allais dire, un voisin. Oui, il en est un parce qu'il est d'origine tchadienne, même s'il est maintenant installé en France depuis de très nombreuses années, dont j'ai eu l'honneur et le privilège d'être un de ses auteurs
dans ce dernier ouvrage, Sous la cendre et le soleil. C'est la rencontre avec des personnalités littéraires affirmées et d'importance comme lui qui ont alimenté la petite ambition que je peux nourrir dans ce domaine. Mais j'y avance à tout petit pas, avec beaucoup d'humilité, en sachant que je ne sais pas grand-chose, mais que l'amour et la persévérance que j'ai, l'amour que j'ai pour la littérature et que la persévérance que j'ai pour faire ce que je fais m'amènera sans doute un jour à avoir le sentiment, non pas d'être un littéraire, mais d'avoir contribué modestement à faire quelque chose que l'on peut appeler de la littérature. La question s'agissant du traité de droit constitutionnel est pourquoi un traité de droit constitutionnel devrait-il être lu, en tout cas celui-ci, par tout citoyen camerounais. Je dis bien par tout citoyen camerounais. Ma réponse est simple. Premièrement, je l'ai écrit en respectant toutes les exigences de la rigueur académique, de la rigueur scientifique. Il ne pouvait en être autrement. C'est ma formation de base, le droit, et en particulier le droit constitutionnel. Pour aujourd'hui, on ne parlera pas du droit international. J'ai enseigné la matière pendant de nombreuses années dans les universités et institutions universitaires camerounaises et à l'étranger. J'ai créé le cours qui a donné matière à ce livre en 1990, alors qu'on m'avait attribué le cours de droit constitutionnel de maîtrise à l'université de l'université du Cameroun, parce qu'il y avait alors une seule université. Et traditionnellement, mes collègues qui dispensaient cet enseignement présenter un aspect spécifique du droit constitutionnel. Ils pouvaient choisir, par exemple, de faire un cours de droit parlementaire ou d'autres aspects du droit constitutionnel. Je m'étais très rapidement rendu compte de ce que, plus de 30 ans après l'indépendance, 20 ans, ou un demi, un quart de siècle au moins après l'indépendance, nous n'avions ni un enseignement spécifique du droit constitutionnel camerounais, ni encore moins un ouvrage en la matière. Il me paraissait presque absurde qu'un jeune Camerounais ayant étudié dans son propre pays n'eût du droit constitutionnel que ce que l'on pouvait lui en dire des systèmes généraux et des systèmes occidentaux. Et du coup, notre seul horizon de référence, c'était ce que l'on nous présentait comme étant les modèles constitutionnels appliqués aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, qui sont les trois grands modèles. Le modèle parlementaire, le modèle présidentiel et le modèle mixte, semi-parlementaire ou semi-présidentiel, qui est pratiqué en France. Or, il apparaissait manifestement qu'au fil des ans, depuis les indépendances, les pays africains avaient développé leur propre formule constitutionnelle, parfois beaucoup plus adapté à leur environnement que les modèles constitutionnels d'emprunt. J'ai ressenti comme une nécessité donc de développer des enseignements spécifiques en la matière. Je venais de rentrer frais et moulu du concours d'agrégation des facultés de droit. J'avais encore toute l'énergie nécessaire. Je pouvais donc me lancer ce défi à moi-même. Car il s'agissait d'un défi, alors l'accès aux archives étant ce qu'il y a de moins facile, moins aisé dans notre environnement. Or, comment écrire sur le droit constitutionnel camerounais en s'en tenant à des généralités? Il fallait que je trouve la matière. Et pour trouver la matière, il fallait chercher partout où elle se trouvait. J'ai passé de longs mois, devrais-je dire, à l'Assemblée nationale à l'époque où, sans doute, les choses ont-elles changé depuis lors. Il fallait prendre les notes à la main, lire le journal officiel, prendre les notes à la main parce qu'on ne pouvait pas faire des photocopies. Donc j'ai passé plusieurs mois à l'Assemblée nationale à éplucher les archives des débats parlementaires. Il y avait très peu de choses aux archives nationales elles-mêmes.
Et à l'étranger, j'ai pu trouver, notamment pour tout ce qui est de la période coloniale, en particulier de la période du mandat et de la tutelle, et du comportement des puissances administrantes au Cameroun, j'ai dû aller à la Bibliothèque des Nations Unies, partout ailleurs, à Genève et à New York, pour rentrer dans les archives. Et c'est pour cela que je crois pouvoir vous dire humblement que c'est un livre qui est scientifiquement fiable, qui est le fruit d'un travail d'honnêteté intellectuelle. À aucun moment, je n'ai exprimé mes sentiments propres. Y compris parce que je brosse toute l'histoire constitutionnelle du Cameroun et la période actuelle. Donc depuis la formation du Cameroun en 1884, si on veut prendre 1884, parce que le territoire commence, fait le Cameroun dans sa forme que nous recevons finalement après la période allemande, commence à se mettre en place bien avant avec les Anglais, il y a la visite des Anglais et tout. Mais ce qu'on va appeler les premiers traités qui scellent justement nos rapports avec la puissance extérieure, qui aident à la configuration du Cameroun, on va dire, donc c'est la fin du 19e siècle. Donc, ça part de cette période jusqu'en 2000, on va dire. L'ouvrage est sorti en 2020, si je me trompe, 21. Donc, jusqu'en 2020, les dernières mises à jour remontent à 2020. Ça veut dire que je couvre aussi l'élection présidentielle de 2018. Mais vous verrez, je peux vous demander d'aller le lire, je n'exprime aucun sentiment personnel. Je dis seulement ce qui s'est passé. Et je crois que c'est le travail d'un universitaire d'œuvrer de cette manière. Les batailles politiques, nous les mènerons ailleurs. Le champ politique est prévu pour cela. Mais s'agissant de former l'esprit des jeunes Camerounais, je me dois de leur donner une matière fiable, scientifiquement inattaquable et en tout état de cause digne d'être une source sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour présenter justement l'état actuel du droit constitutionnel dans notre pays. Et pourquoi devez-vous lire cet ouvrage? Ce n'est pas simplement en raison de cette perspective historique. C'est parce que vous y découvrirez, je peux vous l'assurer, beaucoup de choses que vous ignorez sur l'histoire politique et constitutionnelle de notre pays. Et ce n'est pas un auteur qui veut vendre un livre qui vous exhorte à l'acheter ou à le lire. On vous parlait de l'urgence de la pensée ici. Il a paru en 1991, 92, si je me trompe, ou 93. Mais je n'ai jamais touché un centime là-dessus. Donc mon problème, mon souci premier, n'est pas de vendre des livres et de gagner là. Tant mieux si j'en gagne, mais ce n'est pas ça qui est mon mobile premier pour écrire un livre. C'est d'apporter ma modeste contribution à la construction de notre pays. Et donc, si je vous exhorte à lire, c'est pour votre livre. Parce que je suis convaincu que ça peut apporter une modeste contribution au débat politique dans notre pays. Ça peut améliorer la qualité du débat politique dans notre pays. Et vous verrez, sur des périodes absolument insoupçonnables, des choses que vous ne pouviez pas imaginer. J'aime citer cette anecdote. Pendant la période coloniale, je découvre en lisant donc les débats à l'Assemblée nationale, le journal officiel, que sous l'Assemblée législative du Cameroun, ALCAP, comme on l'appelait à l'époque, on décide de bitumer la route qui part d'ici, donc du rond-point de la côte centrale à l'ancien aéroport. Et sous la période coloniale, le marché devait être attribué par le haut commissaire de la République. C'était lui l'exécutif. Mais le budget du territoire, quand même, doit être approuvé par l'Assemblée législative du Cameroun. Le budget pour le bitumage de la route est prévu. Le marché est attribué à une entreprise française qui s'appelle Omnium, qui s'appelait Omnium. Et il n'y a pas de problème, ça suit les procédures, le haut commissaire l'attribue. Et l'année suivante, le haut commissaire revient demander un avenant aux députés, aux membres de l'Assemblée législative du Cameroun. Seulement, l'Assemblée se rebiffe en disant « Mais nous n'avons pas encore vu la route. Vous ne pouvez donc pas demander un avenant pour une route qui n'est pas encore faite. »
comme quoi certaines pratiques camerounaises ne datent pas d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi je cite cette anecdote? Mon livre n'est pas un livre d'anecdote. Vous allez voir le lien avec l'évolution politique et constitutionnelle. C'est qu'à partir de là, les membres de l'Assemblée législative du Cameroun disent « Nous allons devoir nous-mêmes désormais voter le budget de l'Assemblée législative. » Donc, comme nous allons voter le budget, c'est nous qui déciderons de ce qu'on inscrira ou ce qu'on n'inscrira pas dans le budget. Vous voyez donc comment une affaire comme celle-là, en fait, j'allais dire presque banale, contribue à l'évolution institutionnelle du pays. Un peu comme le Parlement britannique à l'époque, qui pour prendre son indépendance vis-à-vis de la couronne britannique, c'était toujours à propos des questions financières d'ailleurs. Et vous savez, même la Révolution française, ce sont les questions financières. Lorsque Louis XVI, ayant ruiné les caisses du royaume, se tourne vers la bourgeoisie pour demander qu'on renfloue les caisses, la bourgeoisie dit bon, on n'est pas un tiroir caisse, on ne peut pas payer tout le temps sans avoir notre mot à dire. Donc, malheureusement, le bon roi est mal inspiré et reconvoque les états généraux qu'il avait pu siéger depuis des décennies. Et donc, d'où l'affaire. Donc, c'est le chemin pour la fin de la monarchie, puisque le reste, vous savez, n'est-ce pas, les états généraux, le tiers état et tout le monde, la révolution française. Donc, voilà une anecdote. Je termine en disant, lisez ce livre aussi, parce que je l'ai écrit dans un souci pédagogique. Donc, je n'ai pas essayer de, disons, d'utiliser un langage trop savant. Il est écrit parce que c'est un manuel, parce que c'est un traité pour que les étudiants et donc tout citoyen camerounais puisse le comprendre facilement. Donc ne soyez pas freinés par le fait que il s'agit d'un ouvrage universitaire de droit. Non, c'est une affaire de juriste. C'est un ouvrage pour tout citoyen qui veut connaître affaires de son pays. Merci et je m'excuse d'avoir été long. C'est le défaut malheureusement, j'allais dire incurable des enseignants, et même à la retraite, on garde les connaissances. Merci. Je vais, avant de passer la parole au public, vous poser une deuxième question. La deuxième concerne votre production politique. Nous avons lu ce soir les extraits de trois recueils. Finalement, dans votre travail d'écrivain, la poésie occupe la plus grande place. Et pourtant, vous êtes moins connu comme poète que comme juriste et homme politique. J'aimerais savoir comment vous êtes entré en poésie, comment vous êtes devenu poète et que représente la poésie pour vous. Merci, c'est une question. Comment, je crois que je vous le dirai, et qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est tellement difficile à formuler, je sais ce que ça représente pour moi. J'espère que j'arriverai à vous dire ce que ça représente pour moi. Comment suis-je venu à la poésie? Comme la plupart des jeunes, c'est très tôt, autour de 15 ans qu'on commence, certains plus tôt encore, je crois, peut-être Rimbo a commencé encore plus jeune, puisque l'essentiel de son œuvre était écrite à 19 ans. Mais enfin, je ne suis pas Rimbo et loin s'en faut. Je vais dire simplement, comme la plupart des jeunes autour de 15 ans, et qui ont des sentiments, mais la plupart du temps, ce sont des jeunes de 15 ans, ce sont des sentiments amoureux. C'est parce que il a sa voisine ou sa camarade de classe porte des robes à friolantes et des choses comme ça qui l'intéressent. Moi, c'était pas ça. C'était le sentiment profond de ce que je ressentais par rapport à moi. Ça a toujours été ça. C'est d'abord l'autre, autrui. C'est d'abord mon environnement, le contexte dans lequel je vis, qui m'a toujours saisi et m'a donné quelques mots pour exprimer ce que je ressentais. Si on peut appeler ça de la poésie, oui, c'est cela. À partir de 15-16 ans. Les premiers textes qui sont totalement inconnus et que je ne retrouve d'ailleurs pas, qui pour certains avaient paru, genre, je crois que quelques-uns, à l'époque on envoyait des poèmes à Jeune Afrique et ils les publiaient, et puis dans les journaux de la place, j'en ai publié même, je crois, dans Le Messager à une époque, des choses comme ça. Ce n'est pas répertorié, ceux-là ne sont pas connus, mais c'était déjà cela. Et puis à l'université. Mais vous verrez que ça porte toujours sur notre espace de vie et surtout sur ceux qui y vivent. Qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que l'autre, le visage de l'autre m'enseigne sur moi-même, me renseigne?
par rapport justement à mes aspirations et à ma propre condition. C'est ça qui forme l'essentiel de la matière que j'essaie de façonner dans le domaine de la poésie. Non pas que je sois insensible à l'esthétique des choses. Et je crois que sur Kwamtawa, qui est probablement celui qui connaît le mieux ma poésie, peut-être parfois mieux que moi-même, c'est que je ne suis pas indifférent à l'esthétique des choses. Mais pour moi, l'esthétique des choses se coule toujours dans l'environnement dans lequel je vis. Et j'évoque ça toujours en rapport avec cet environnement. Je peux parler de la forêt, mais ce n'est pas les branchages et le soleil qui jouent dans les branches seul qui m'intéresse. C'est-à-dire, je ne m'arrêterai pas à ça. J'irai au-delà pour voir justement comment la forêt, ou bien quelle fonction la forêt remplit dans le milieu dans lequel elle se trouve. Par exemple, je me souviens de mes frères ici présents, qui est spécialiste des questions forestières. Un jour, il ne sait même pas, je ne l'ai jamais dit, il m'envoie un grumier avec une bille de bois que je n'ai jamais vue. Enfin, dont j'ai jamais vu pareil, c'est-à-dire avec, je crois que le diamètre devait être de 3 mètres, 3 mètres 50, c'est, j'ai jamais vu rien de tel. Coupé dans une forêt camerounaise. Et tout de suite, ça m'a inspiré un texte qu'il découvrira un jour. Mais parce que ce n'est pas la forêt en soi, c'est-à-dire la végétation, c'est la forêt dans sa fonction, c'est la forêt en tant que habitacle ou demeure des esprits. C'est la forêt en tant que la pharmacie géante de la planète, parce que tout ce qu'on fait dans les laboratoires, on mime la forêt, n'est-ce pas, dans sa diversité biologique et tout le reste. C'est la forêt de voir justement ce massacre, les légumiers comme, juste, vous voyez, comme des trains qui sont à la peine, hein, qui cherchent leur voie. C'est tout cela. Donc, moi, c'est ça d'abord qui m'a amené à la poésie. Mais c'est autour de 15-16 ans. Ensuite, j'ai écrit entre-temps autour de 20 ans, entre 20 et 28 ans, j'ai écrit un texte, j'avais pas le temps, à vrai dire, comme beaucoup à cet âge-là, on est assez absorbé par ses études. J'ai écrit un texte qui participera au concours lancé par l'Association des poètes et écrivains camerounais en 1986. Et j'ai eu le second prix, je ne m'en glorifie pas. On vise toujours le premier, donc on participe. J'aime pas les positions de Polydor, ne m'intéressent pas beaucoup. Mais enfin, ça a quand même retenu l'attention du jury malgré tout. Et donc, c'est un peu cela. Mais il y a eu, vous le savez très bien, une longue période d'hibernation dû à mes activités, parce que je crois que l'activité poétique, comme l'activité littéraire, est une activité extrêmement exigeante. Et elle est consommatrice de temps. Il faut avoir une disponibilité à la fois émotionnelle et intellectuelle, surtout s'agissant de la poésie, émotionnelle et intellectuelle, pour produire un texte poétique. Et donc, pendant pratiquement une vingtaine d'années, trentaine, je n'ai pas écrit grand-chose. Les quelques textes, mais vraiment rares que j'ai écrits, je les ai perdus au moment des déménagements. Et c'est, je crois, j'ai repris mon activité d'écriture poétique, si je ne me trompe, en 2011-2012, lorsque j'ai quitté le gouvernement. Et donc ça a donné, et tout de suite, tout ce que j'avais, tout ce qui était enfoui et que j'avais emmagasiné, sans doute qui était entassé dans un magasin quelque part, est ressorti. Et donc j'ai eu une production que d'aucuns pourraient considérer comme rapide ou fleuve, mais je ne crois pas que ce soit rapide au sens où on l'écrivait avec légèreté, mais abondante, on va dire ça comme ça. Parce que je crois qu'on a ici ce qui a pu paraître au cours des années précédentes, des 5 ou 6 dernières années, mais
je ne dévoile pas un secret d'État en disant qu'on continue quand même de téléphoner. Voilà. Merci, témoin. Merci, Président. Je vais prendre, on va prendre deux questions. Une pour commencer. Bonsoir, professeur. Bonsoir. C'est l'heure égale de découvrir le poète Kamto Mongesi. Ma question va dans les heures. Je voudrais savoir la profondeur du dernier que le poème vous avez écrit. Fureur, vous l'avez dit. Fureur, c'est toi les deux lignes. Courroux d'une parole qui brille et plante sa dague dans la blessure qui saigne encore. Je voudrais savoir la profondeur de ce poème. Oui. J'ai omis une partie de la réponse à la question de M. Kouam, c'est que, oui, on fait grand cas au Cameroun de ce que je sois un homme politique et d'aucuns ne voudraient regarder à travers ma poésie que l'homme politique. Bon Dieu, il faut commencer par qui? Par Léopold Senghor? N'était-il pas homme politique? Chef d'État, même, il a continué à écrire, n'est-ce pas? Peut-être pas forcément la poésie, l'essentiel de sa poésie était publié avant les indépendances, mais il a l'essentiel de sa pensée, notamment en ce qui concerne sa contribution intellectuelle, la vision africaine du socialisme, c'est après. Non, c'est une fausse querelle. Václav Havel, qui est décédé maintenant, qui était tchèque, c'est chef d'État, c'est un des plus grands dramaturges, n'est-ce pas, européen, je crois que je ne dis pas de bêtises. On va parler de qui ? De Pablo Neruda. Pablo Neruda, prix Nobel de littérature, poète, parmi les poètes, en 1960, non pas 60, c'est plutôt 60, c'est le français qui était Saint John Peirce, qui était secrétaire général du ministère des Affaires étrangères en France pendant longtemps. Pablo Neruda, qui a été ambassadeur de Chili dans plusieurs pays et qui est un homme politique de gauche affirmé. De quoi parle-t-on au Cameroun? Qu'est-ce que la production littéraire, la sensibilité? Jugez-moi à mes œuvres littéraires. Oubliez à la limite Kamto. Lisez ce poème et dites, il y a un auteur X qui a écrit, et voilà ce que nous en pensons. Faites votre critique littéraire suivant les canons de la critique littéraire. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi étroits dans notre façon d'envisager le monde? Donc je crois que je ne vais pas m'attarder à cette question. Je crois que j'assume chaque aspect de ma personnalité. Je suis par profession, à l'origine dès le départ, professeur de droit. C'est mon métier. Bon. Je suis homme politique par engagement citoyen, par conviction citoyenne. Et j'ai du mal à dire je suis poète. En tout cas, j'essaie d'écrire de la poésie. Vous voulez, Parce que je le ressens ici, j'ai vraiment cette sensibilité-là. Mais croyez-moi, je vais citer M. Kouamtawa 1000 fois parce que il est vraiment là-dedans, il est dans la marmite de la littérature, comme on dit. Croyez-moi, ça n'est pas quelque chose, on ne se met pas sur le bout de table d'un café et on écrit un texte poétique définitif. Ça peut être l'inspiration première. Mais c'est justement le commencement de quelque chose dont vous-même parfois vous ignorez quel sera le produit final. Ça exige beaucoup de travail, croyez-moi. Donc, on ne devient pas poète juste parce qu'on peut aligner deux phrases que l'on coupe ou trois phrases que l'on coupe et vous voyez, on fait un maître et on dit que c'est la poésie. Non, c'est beaucoup plus, j'allais dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, c'est beaucoup plus exigeant que cela. Je ne vais pas ici faire le savant en vous disant, si vous convoquez les termes habituels, on va vous dire est-ce que vous avez placé les mystiches, est-ce que vous avez fait... C'est beaucoup plus que ça. Si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, non pas parce que vous ne le savez pas, mais parce que vous avez choisi de ne pas le faire. Vous comprenez? Si vous faites un vers sans hémistiche, il faut que vous, en tant que poète, vous soyez conscient que vous avez choisi cela. Si vous en introduisez, donc ce n'est pas quelque chose comme on voit là. Nos balbutiements initiaux là doivent passer par un moule exigeant qui n'est pas nécessairement aller à l'école. Les ateliers d'écriture, il y a des gens qui sont outillés pour cela, qui doivent vous former.
mon écriture, et je le remercie, et je le remercierai jamais ici assez. Quoi qui, justement, a été sur mon chemin, qui m'a mis en contact avec mon éditeur actuel, et j'ai dit, je ne remercierai jamais assez Nimrod, parce qu'il n'a pas été seulement mon éditeur, parce qu'on a travaillé sur l'écriture poétique. Et je ne peux pas ne pas reconnaître que il y a eu une évolution dans mon écriture poétique, non pas dans ma sensibilité politique, non pas dans la profondeur de ma poésie, de ce que je voulais exprimer dans ma poésie, mais dans la manière dont, de manière littéraire, on écrit la poésie. Voilà, je voulais être d'abord clair là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Maintenant, vous m'avez dit, oui, Führer, vous avez ces trois vers. Non, je ne peux pas parler de vers. Moi, je reste dans le poème. Oui, j'ai dit ce poème. Trois vers. Trois vers. Effectivement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Okay. Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu exprimer? La fureur, ce poème veut dire simplement que la fureur, ce n'est pas seulement la colère. C'est plus que la colère. C'est plus que le mécontentement. La fureur, c'est qu'on a, lorsqu'on est allé au-delà de la colère, et ma façon, la façon dont j'ai cru qu'on pouvait exprimer cela de manière poétique, c'est vraiment que c'est la dague, c'est quoi? C'est un couteau, vous le savez, c'est un poignard, hein, qui vrille et se plante dans une plaie qui saigne encore. C'est l'extrémité de l'extrémité, la fureur, c'est plus la colère. Voilà, donc, et voilà, j'espère que j'ai atteint. Mais je sais que M. Poam l'a beaucoup aimé puisqu'il me l'a dit. Magnifique poème. Oui. Vous avez parlé du poème. Vous l'avez lu. À la lumière de tout ce qu'il a écrit. L'hymne national. Il a écrit. L'hymne national dit quoi? C'est un texte éminemment politique, philosophique, ontologique. Je vais vous citer quelques vers. Il a commenté. L'hymne national est écrit en 1927. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Je vais citer quelques vers. Nous travaillons pour te rendre prospère. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, sois tout amour. Et de l'Afrique, sois fidèle enfant. Fidélité. C'est pas hasard qu'il est panafricaniste, intransigeant. Vous savez que la fureur, c'est la violence néocoloniale, la traîne négrière. On nous a arraché du million pour aller bâtir l'Occident qu'il connaît. Donc, on a modifié cette hymne nationale en 1972. Parce qu'on te dit, pour évacuer, pour enlever de ta mémoire, pour te rendre amnésique. On te dit que la barbarie dont on parlait, non? Va, vol, tu es déjà libre. Ce qui est une erreur monumentale. Il commente dans cet écrit. Il commente. Donc je ne suis pas étonné qu'il soit poète. Et vous avez raconté sa jeunesse. Entre 10 ans, entre 6 ans, 10 ans. Une violence inouïe. C'est ça qui est répété tout le temps. Ce n'est pas non plus au hasard que tu as convaincu mon grand frère, mon petit. Vous savez, même pas sur le Cameroun. Même pas sur le Cameroun, pour ces Wandiers. Dans mot. Et vous dites, mais est-ce que vous n'avez pas des réminiscences par rapport à ça? Oui, je dis que vous êtes tous, quel que vous soyez ici, dans une violence inuit. Et quand ça prend des proportions, il a parlé de la haine. La haine dans l'un de ses rapportements extrêmes. Il vous dit la haine. Quand un peuple s'installe dans la haine de l'autre, ici c'est la haine ethnique, elle est destructive. Ce n'est même pas pour dominer quelqu'un, c'est pour le tuer. La haine ethnique, c'est pas ça. La haine ethnique. Et c'est Cheikh Anta Diop qui l'a démontré. Karl Marx n'a pas vu. Il a dit que la haine ethnique, ce n'est pas pour dominer quelqu'un, c'est pour le tuer. C'est le Rwanda,
Et on avait prévu que le Cameroun, le prochain étape, c'est le Cameroun. C'est Pratma, une journaliste. La prochaine fois, c'est ici. Oui, 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 c'est ça. Donc, vous êtes tous des poètes qui s'ignorent ou parce qu'on vous a rendu là. Ici. Et ceux qui ont écrit l'hymne national, ils n'avaient pas 25 ans. Le président actuel n'avait pas, il n'était pas né. Il est né en 33. Donc, l'hymne national, on ne modifie pas une seule virgule d'une hymne national. De toute façon, mes enfants n'ont jamais chanté le soir. Dieu merci. Merci. Y a-t-il une question par là? Oui, il y a quelqu'un derrière vous. C'est moi ou c'est vous? C'est vous, c'est vous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Thierry Ndoussi. Je suis le président de l'Association des journalistes camerounais pour la culture et le développement. Le VOIS, et j'ai appris, structure les relations entre les citoyens dans un même pays. Donc, professeur, je suis d'avis avec vous qu'il faut lire votre livre parce que les populations doivent savoir. Mais il se trouve également que les mentalités évoluent et par conséquent, le VOIS doit aussi évoluer, doit même bouger, sans toutefois avoir la bougeotte notamment. Alors, il y a une forme juridique qui est en train de naître, une idée, en ce moment c'est une idée, mais elle est appelée, si jamais cette idée est majoritaire, à structurer les relations entre les citoyens dans une société. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fédéralisme communautaire. Alors, je voudrais interroger le juriste, le politique ou l'intellectuel tout court. Quel est votre avis sur le fédéralisme communautaire? J'ai entendu parler de ça. Et j'ai vu d'ailleurs le terme ou l'expression circuler sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas discourir sur quelque chose dont je ne connais pas le contenu. On a annoncé un livre, attendons qu'il paraisse. J'en prendrai connaissance et à ce moment-là, on pourra en débattre. Le micro à côté. On va dire. Ici, ça va être plus simple. Oui, ok. Je m'appelle Massa Gingo et je suis camerounais et je vis à Washington DC. Ça, c'est la deuxième fois que je vous rencontre parce que la première fois, quand j'étais en visite là, on était ensemble. On était avec le Fabrice Camp pour l'organisation. Et c'est ce matin que j'ai fait la formation, que vous serez ici. J'ai dit non, je ne peux pas arrêter ça, je suis là. En fait, si je prends la parole ce soir, maintenant là, c'est juste pour vous dire merci pour votre engagement. C'est sûrement ce que je veux dire. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux poètes. Je préfère la casquette de poète parce que je suis enseignant de français, de littérature. Je suis Chemin Mokaminiri et j'enseigne au lycée bilingue de Mamaï. Alors, tout à l'heure, lorsque vous avez décliné votre parcours poétique à l'âge de 10, 15 ans, puis 20 ans, puis la période d'hibernation, je crois qu'après la période d'hibernation, il y a eu un rebondissement. Alors je voudrais savoir, quel est le rêve que le poète a pour la société camerounaise? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas trop attaché à l'esthétique des choses. Ce n'est pas tant la forêt, pour vous reprendre, qui vous intéresse, mais c'est la fonction que la forêt joue dans la société. Peut-être que lorsque vous observez les caterpillars, vous ne voyez pas des engins qui transportent le bois, mais plutôt qui ruinent nos forêts africaines et peut-être tropicales. Je voudrais savoir quel est le rêve que le poète a pour la société camerounaise. Parce que ce rêve aussi est peut-être ce qui, d'un point de vue littéraire, peut continuer d'entretenir la flamme du citoyen qui parfois a l'impression d'être pris au piège ou alors d'être englué. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais faire un petit rectificatif.
Non, ce n'est pas exact de dire que je ne suis pas attaché à l'esthétique des choses. C'est fondamental, l'esthétique. On ne va pas se citer, mais j'ai un texte dans lequel je dis « La poésie a pour seul nom beauté. » C'est-à-dire que vous, même si vous voulez exprimer la misère des hommes, vous devez, sur le plan poétique, l'exprimer d'une manière esthétique. L'on y retrouve l'esthétique poétique, si vous voulez. Donc on ne peut pas être indifférent à la poésie. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne fais pas de l'esthétique pour l'esthétique. Donc je ne fais pas de l'esthétisme. Je ne suis pas parnassien, je peux vous le dire. Donc, par conséquent, j'écris aussi pour dire quelque chose sur ma société. Et peut-être même surtout pour dire quelque chose sur ma société. Alors quel est le rêve que j'ai pour notre société? C'est le même dans le domaine poétique que dans le domaine politique. Il y a d'ailleurs vous voyez que ça rime, hein? Voilà. Non, tout à fait. Ce rêve, c'est un rêve d'un peuple réconcilié dans un pays qui est fabuleux. C'est de ne pas vivre dans la haine. Moi, je ne supporte pas ça. Je ne comprends pas ça. Parce que je ne suis pas. Peut-être vous. Justement, votre génération risque de recevoir en héritage la haine. Moi, je ne l'ai pas reçu en héritage, donc je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu la haine, je ne transmettrai pas la haine. Ensuite, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Peu importe, je sais qui je suis et je sais ce que je veux pour mon pays. Voilà. Et ce qui m'anime profondément, c'est que je ne... Alors, vous voyez que nous sommes à la lisière et donc il m'est difficile de ne pas dire un mot qui enjambe sur le terrain politique. C'est que le Cameroun est un pays qui a vocation à être un pays développé. C'est nous, notre, nous, même si on disait qu'il y a un seul pays en Afrique qui devait être développé, c'est le Cameroun. C'est parce que je vois. Non pas, c'est pas la méthode Coué, parce que nous en avons tous les éléments. Nous avons tous les facteurs constitutifs, tout ce qui fait qu'un pays soit un pays développé. Donc, en le disant, je ne fais pas simplement, je ne formule pas un souhait. Ce n'est pas, c'est plutôt d'ailleurs une déception et un choc de voir qu'on n'y est pas encore, alors que nous avons tout pour y être. Voilà. Et donc, voilà mon rêve. C'est qu'on vive dans un environnement. Pour moi, la fraternité, au sens vraiment de fraternité républicaine, veut dire quelque chose. S'il y a quelque chose que je retiens, ceux qui sont à l'origine d'ailleurs de cette fameuse triade, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, apparemment n'y croient même plus, surtout à fraternité. Mais moi, je prends la fraternité pour moi. La fraternité est arrivée dans la devise française que je crois en 1830, et après, c'était pas là à l'origine, c'était liberté, égalité, après ils ont ajouté. Mais la fraternité républicaine, c'est quoi? C'est celle que nous décidons de créer. La fraternité biologique, c'est une fraternité de sang. Je suis votre frère sans l'avoir voulu, je n'ai pas cherché. Comme je n'ai pas. Ma question sempiternelle, c'est qui a choisi de naître où il est né? C'est moi qui ai posé cette question, le premier dans ce pays. Voilà. Et on a voulu retourner pour dire que je suis tribaliste, j'accepte. Voilà. Mais ce que je vous dis, c'est que la fraternité, celle en laquelle je crois, c'est celle que nous décidons, de forger, de créer ensemble. Qui fait que même sur le champ de bataille, je meurs pour vous parce que vous mourrez pour moi. Et un pays qui n'est pas uni, un pays qui n'est pas rassemblé, ne peut pas conquérir. Enfin, quand je dis conquérir, pas les zones de développement. C'est-à-dire, ne peut pas effectivement aller à la conquête de sa propre position dans le concert des nations. Voilà ce que j'essaye de dire dans le champ politique, mais que j'essaie aussi de refléter parfois sans que je ne fais pas de la poésie politique.
tout ça. J'ai fait une poésie d'engagement. Oui, ma poésie est engagée. Engagée. Je ne suis pas là pour dire que j'ai aujourd'hui, c'était une fille aux jambes longues. Voilà. Je laisse ça à d'autres. Je suis là pour. Oui. Voilà. Et donc, pas que ce soit pas bien. Vous voyez, quand vous allez notamment chez les romantiques, c'est très bien. Hein. Oui, parfois il faut se délasser sur. Se relaxer pendant sur l'herbe fraîche et admirer la nature. Mais il y a des moments aussi, et en fonction de l'environnement dans lequel on vit, on doit prendre fait et cause pour cet environnement-là. Et c'est ça le sens de l'histoire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis le co-écolo en fait, tout court. Je suis très heureux d'être face à vous aujourd'hui. Dans un de vos discours que j'ai souvent apprécié, j'ai retenu une phrase. Je reprends souvent la phrase plusieurs fois dans mes paroles, sans comprendre exactement la profondeur de cette phrase. Cette phrase, c'est les heures les plus sombres de l'aurore sont les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Me permettez aujourd'hui, Monsieur le Président, de comprendre exactement les termes. En fait, très simplement, si avant d'essayer de donner une explication intellectuelle, si nous restons sur le terrain même du phénomène de la nuit, du mouvement de la nuit, vous verrez que c'est vers 3 heures du matin, 4 heures qu'on ronfle le plus. Parce que le sommeil est profond. Et alors que le jour va se lever dans bientôt. Et si je ramène cela à notre société, puisque je parlais de notre société, c'est que nous avons atteint ces derniers temps dans notre société des niveaux de brutalité et de violence. Et on a parlé à plusieurs reprises cet après-midi de haine. De radicalité dans le rejet de l'autre, de chosification de l'autre, c'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression que le mal que nous infligeons à l'autre ne nous dit plus rien, ne nous interpelle plus. Donc c'est parce que nous avons réifié, donc chosifié l'autre. Parce que notre insensibilité est à la mesure justement de la chosification de l'autre. Parce que si vous voyez en l'autre une figure de vous, enfin, votre propre figure, pour parler comme Lévinas, c'est-à-dire que si vous renvoie votre propre image, quelque part vous allez dire, oui, mais quand même, il sent mal, là, donc je ne peux pas aller trop loin. Mais donc ce niveau de violence m'a amené à dire, oui, nous sommes là vraiment dans les heures qui précèdent l'aurore. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça pendant très longtemps. Et je pense en fait, effectivement, que nous entrons. Je ne suis pas devin. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on m'envoie, parce que moi, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas posté sur les réseaux sociaux, mais je vois des gens qui croient se moquer de moi, se payer ma tête, en disant, ouais, mais il s'est pris pour un prophète, il a annoncé qu'il voit la fin. Ils se moquent d'eux-mêmes. Oui, ils se voient. Non, mais le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est ceux qui ont une lecture à courte vue des dynamiques sociales ne voient jamais les lames de fond. Vous savez, les virages, quand vous êtes sur une route, vous pouvez avoir des virages brusques, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir des virages amples. Mais c'est toujours le virage. Voilà, merci. Je prends une voix féminine d'abord et je vous passe la parole. Oui. Oui, venez. Bonsoir tout le monde. Je suis Annine Gale, étudiante, doctorante et cofondatrice de l'association Unis Libres. Bonsoir, monsieur Kamto, le poète. Je vous ai entendu, j'ai suivi monsieur Kamto, j'ai entendu parler de très belles choses. Vous avez magnifié la femme, mais je ne vous ai pas entendu parler de la femme engagée. Nous ne pouvons pas juste être
de belles choses. Nous avons besoin d'être des choses utiles. Je sais que vous, vous avez beaucoup d'estime pour les femmes professeurs. Et j'ai envie de vous entendre. Nous encourager, tout bien dans la poésie, que dans d'autres aspects de la vie, professeur. D'accord. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Il y a quelqu'un qui va être inspiré par votre démarche. Je crois que ce soir, on peut être... Oui, vous avez raison. J'ai un immense respect pour la femme. Ce serait très long à développer ici. Mais pour moi, c'est l'évidence même que nous ne pouvons pas bâtir une société avec un certain nombre de valeurs si nous ne fondons pas cette société-là sur la femme. Et cela veut dire donner à la femme toute sa place. Ou plutôt reconnaître. Donner, c'est encore comme si c'est les hommes, qui sont les hommes qui donnent. Mais reconnaître toute sa place à la femme. Vous savez, quand j'étais petit ou adolescent, et je prenais la carte d'identité de ma mère, bon, on marquait ménagère. Ménagère. Donc on dit, elle ne travaille pas. Sauf que c'est cette femme qui nous a mis au monde, qui nous a élevés. Voilà, parce que bon, mon père, comme tous les pères, était dehors pour se battre. Et donc, vous pouvez. Donc, si vous voulez rémunérer cela, je crois que son salaire dépassera. Bien sûr. Voilà, le salaire, l'homme qui ramène à la maison. Donc il faut que ça bouge, que tout cela commence à bouger dans nos têtes. Parce que si nous ne le reconnaissons pas, si nous ne pouvons pas l'encenser pour cela, nous ne pouvons pas reconnaître l'importance, la part importante qu'elle a prise dans l'éducation de nos enfants. Après vous dites, oui, regardez les enfants, mais vous attendiez à quoi si vous ne reconnaissez même pas à la femme qui justement s'en occupe tout le jour le mérite qu'elle a. Donc j'attache, je veux prendre juste à ce niveau-là, pour ne pas dire, j'ai dit dans le programme politique de mon parti et tout le reste. Et dans Accotement, et même avant Accotement, si vous prenez Territoire Insoumis, je ne sais pas si... j'aurais pu demander, supplier le poète Kwame qui sait dire des textes, de dire cela. Et là, je parle d'une femme, d'une maman du village. Comment je la loue, comment je l'encense. Et donc, lisez encore plus mes textes. Vous verrez que ce n'est pas simplement un discours politique. Je l'assume sur le plan littéraire, mais je l'assume complètement, y compris sur le plan familial. Voilà. Je vais me permettre, avant de passer la parole au Shaba, de dire, je ne sais pas si le président sera d'accord avec moi, mais il m'a été donné de lire, il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège d'avoir l'un des tout derniers manuscrits du poète entre les mains. Je vous assure, c'est un travailleur infatigable. Et c'est un long poème, 50 pages, d'un seul souffle, Macadam. C'est un hommage à la femme batailleuse. Aussitôt que je l'ai lu, j'ai appelé Race et nous allons bientôt faire un travail dessus. Bonsoir à tout le monde, je suis très honoré. Je suis le professeur Nana, j'enseigne la poésie à l'école normale, je suis aussi poète. J'ai lu, je lis beaucoup. Et je crois que j'ai aussi écrit par rapport au plagiat. Tout à fait. Je suis le supposé plagiat du poète Kamto. Parce qu'il y a eu des choses par rapport à la titre. Parce que je travaille sur les titres et autres. J'ai aussi travaillé sur l'or. C'est multiplié un poème de Kamto. L'or des cœurs. Tout à fait. J'ai aussi travaillé sur un texte là, sur Je suis le temps. Exactement. Je suis le temps. Et donc, quand je voulais juste me partager par rapport à l'esthétique, je crois qu'il devrait, le poète devrait laisser la critique en parler. Puisque il est très esthète même. Même si, quand il parle de ne pas faire dans l'esthétisme, il veut dire, en fait, il a déjà dit, qu'il ne fait pas de l'esthétisme, disons, l'objectif, en fait, de l'art. Mais quand vous lisez, il est très esthète.
Je vous assure, quand tu m'as dit, en fait, par Facebook, j'ai appris que les deux livres étaient là. J'ai commencé par les deux, je suis venu, j'ai acheté les deux, j'ai fait l'exercice, je fais souvent pour travailler. J'ai dit, je vais lire les poèmes, je vais voir les poèmes qui m'intéressent. Voilà, j'ai commencé. Territoire, j'ai plié tous les poèmes. Pourquoi? Parce que moi, quand je lis les textes, j'aime beaucoup plus aussi les poèmes, les textes qui chantent au-delà de du fond. Les textes m'ont plu au plan esthétique. Alors, j'ai fait une nuit, j'ai terminé en liant tout. Et quand j'ai commencé à Cotomans, j'ai commencé à écrire un livre sur Cotomans. Sans plus. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je suis très content et je viens le prendre sous la cendre parce que dès qu'il est sorti, il y a eu cette rumeur. Et puis j'étais très gêné en tant que critique. Les gens n'ont pas lu le texte. Le livre n'était même pas sorti, c'était pas le titre. Et donc, bon, j'ai dû même dans mon travail essayer de faire à beaucoup de spécialistes, beaucoup de textes qui se ressemblaient. Après, on a compris qu'en fait, et j'ai conclu en disant en fait, c'est un jeu. Il n'y a pas de plagiat ici. On ne peut même pas déjà parler de plagiat. J'ai même demandé, ne dis donc plus je t'aime. Puisque je t'aime. Beaucoup de théoriciens l'ont dit, il y a déjà le déjà dit. Donc, on ne peut pas. Ah, donc voilà, je ne vais pas me dire la parole. Merci. Et je voulais aussi dire pour finir, quand elle parle de la femme, il parle beaucoup de la femme, la racontement ici, la bachante. Il parle de la femme, la femme qui braise. La braiseuse, la vendeuse. Donc il faudrait lire vraiment. Merci déjà. Merci parce que je suis très enchanté de lire et les textes sont esthétiquement pertinents. Même si sur le plan de. Il s'intéresse beaucoup plus à la lutte. Il a dit le texte, il ne parle pas de la politique. En fait, le thème n'est pas la politique. Non, du tout. Il est en fait politique. Tout en fait. Tout ce qu'il dit, qu'on parle de fort, la table de fort. Le réel, la société. Merci, la société. Je suis un jeune doctorant dans une université chinoise et l'urgence de la pensée est l'un des premiers livres que j'ai lu. Dieu m'a permis d'arriver dans un pays des penseurs, Lao Tzu, Confucius et les autres. Je pense que le professeur, le jeune Carbonet et l'artiste d'où je viens, ou bien parmi lesquels, du fédéralisme communautaire dont on parlait, ou bien du fédéralisme communautaire dont on parlait, nous venons de tous les horizons du grand pays. Est-ce que vous pensez que, à l'instar de ces penseurs dont vous avez cité, Cheikh Anta Diop et les autres, est-ce que vous pensez pas que c'est trop tard pour la pensée, il faudrait passer à l'action? Est-ce que vous pensez pas que l'urgence de la pensée est déjà dépassée et on arrive à l'urgence de l'action? Et deuxièmement, concrètement, professeur, je suis en train d'écrire depuis bientôt 10 ans, mais je n'ai pas écrit 2 pages. Quel conseil concret donnerez-vous aux jeunes Camerounais qui est engagé dans la politique, dans la littérature et surtout dans l'évolution et le développement du Cameroun en tout le secret? Merci. Je vais essayer d'être bref. Je préfère que vous soyez là une petite minute parce que j'ai en fait répondu à cette question, c'est-à-dire, est-ce que nous ne sommes pas dans l'urgence de l'action? Est-ce qu'on n'a pas dépassé l'urgence de la pensée? Dans la préface à la réédition de l'ouvrage, je crois que, sauf si vous êtes arrivé un peu en retard, si vous avez été attentif, vous auriez vu que je répondais à cela. En réalité, votre question suivante est une réponse, en quelque sorte, à votre question. Vous dites, j'arrive pas à écrire, mais vous écrivez pour exprimer quoi? L'engagement. Non, mais l'engagement, mais vous... Écrire, vous exprimez cet engagement comment? Pas la pensée, non? La pensée, exactement. Voilà. Et donc, on n'est pas. On n'en finit jamais avec la pensée. Mon propos, c'est ça. Mon propos est simplement à dire que toute action, pour qu'elle soit efficiente, qu'elle porte les fruits et atteigne les objectifs qu'on lui assigne, doit être pensé. Si vous le faites pas, vous allez dans le tâtonnement, le cafouage, et vous allez donc faire 1000 fois des ratures. Là, vous auriez pu éviter les ratures si vous aviez pensé, c'est-à-dire baliser le chemin.
vous parlez parce que vous êtes allé en Chine. Moi, j'ai été en Chine probablement avant vous. Et quand je suis retourné en Chine en 1999 et plus récemment en 2017, je peux vous dire, quand j'y étais en 2019, j'ai dit, pourquoi ne pas dire à mon épouse, quand je suis rentré, je lui ai dit, c'est terrible, ce que j'ai vu en Chine, je suis effrayé. Le 20e siècle sera chinois. Mais vous savez quand ça a commencé? Ça a commencé avec la défaite de la bande de quatre. Lorsque Deng Xiaoping, constatant cela, et sans d'ailleurs rejeter complètement l'héritage maoïste, mais comprend qu'il faut effectivement passer à autre chose, réfléchit, lui qui avait étudié en Occident en 10 ans, moi j'ai 1 milliard 200 millions de personnes à nourrir. Si vous me dites qu'il faut faire du communisme rigide, du maoïsme où on envoie tout le monde à la plantation, où on brûle les livres, il n'y a plus. Il dit qu'importe qu'un chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape ça la souris. Ce n'est pas de la pensée, c'est le début de la pensée. Et c'est là le début de l'élaboration de la révolution chinoise, industrielle chinoise que vous avez vu. Parce qu'à partir de là, il installe les. Je vais être long, mais je vais m'arrêter. Il installe les 6 zones de développement économique spécial que vous connaissez, n'est-ce pas? En face de Macao, en face de Taïwan, en face de... Il l'installe, et c'est à partir de là que se fait. Il ferme les frontières à ce moment-là, presque hermétiquement, et la Chine close et en train de faire sa révolution industrielle sans que personne ne s'en aperçoive. Quand ils ouvrent les portes, c'est trop tard pour les Occidentaux. Ils voient que la Chine est déjà partie, on peut plus. Mais ça, c'est penser, monsieur. Vous me dites qu'on a dépensé la pensée, mais développer l'Afrique et puis vous mettez la pensée aux poubelles, encore qu'on ne la mettra jamais. Sinon, même les pays développés ne continueraient pas de penser. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour... Moi, je ne saurais vous donner aucun conseil. Parce qu'il n'y a pas de façon universelle d'écrire. Vous pouvez écrire parce qu'un événement produit un choc en vous et fait le déclic. Vous pouvez écrire parce que vous avez attrapé un livre. Parfois, un poème commence à partir d'un mot. Chez moi, même pas un vers entier, un mot ou deux ou une expression, et ça se met en route. Comme je vous l'ai dit, sans vous faire de promesses, vous ne savez pas à quoi ça va aboutir. Mais ça travaille, parce que autour de ça, c'est difficile à exprimer. Je te prends à témoin, c'est difficile à exprimer le processus d'engendrement d'un poème. C'est compliqué, parce que d'abord, ça ne vient jamais. De la même façon tout le temps. Voilà. Et ensuite, voilà, vous pouvez avoir un mot, une expression, et quand vous vous levez le matin, des choses se greffent à ça, vous voyez qu'il y a une forme, quelque chose prend forme. Voilà. Donc, je ne saurais vraiment vous conseiller. Mais, un seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut lire. Nous, les Africains, nous ne lisons pas assez. Nous croyons que nous pouvons nous lever et subitement inventer. La plupart du temps, quand nous croyons inventer, nous disons simplement des choses qui ont été redites depuis longtemps et on a l'air ridicule. Et on est surpris après que personne n'y attache de l'importance parce que ça a déjà été dit, souvent mieux dit. Je saisis cette occasion parce que mon ami et frère Kwame Sandou l'a oublié parce que affairé ici, il n'a pas dû suivre, mais je suis sûr qu'il l'a fait. Il n'a pas voulu s'y attendre. Je voudrais saisir cette occasion précisément pour nous demander de rendre hommage à un jeune Africain de 31 ans qui vient d'avoir 100 ans après René Maran le prix Goncourt de littérature. Il s'appelle Mohamed Ouga Sara. Et pourquoi le nom de Ouga Sara me vient tout de suite à l'esprit? Parce que c'est un gros lecteur. Et il a commencé à lire à l'âge de peut-être 10 ans, peut-être avant. Et il ne s'est plus jamais dessaisi de livres. Ce qui fait que, quand il produit des livres comme, c'est peut-être son troisième prix, mais ça c'est le plus grand prix de la littérature française, et probablement parmi les grands prix de littérature au monde, quand on arrive là, c'est pas par hasard. J'ai pas encore eu le plaisir de lire son livre, je le ferai très certainement, mais les notes de lecture que j'ai lues, c'est que c'est documenté, enfin c'est riche, c'est nourri. Voilà, il y a une culture littéraire là-dedans. Donc il faut lire beaucoup avant de vous attaquer à quelque sujet que ce soit. Merci. Nous allons passer à la phase de signature.
salut.